Je suis Karine Corsetti, directrice de La Clé Solidaire. La Clé Solidaire est une association créée fin 2019 à l'initiative de la Caisse des dépôts, CDC Habitat et des fédérations du logement accompagné et de l'hébergement, l'UNAFO et la FAS. C'est une plateforme de services qui accompagne sur le plan opérationnel les associations du secteur de l'hébergement, du logement accompagné et du médico-social. Nous proposons aux acteurs du secteur associatif des compétences, des solutions, tant sur des fonctions support que sur la gestion de leur patrimoine immobilier. Il peut s'agir par exemple de questions liées à l'informatique ou bien de problématiques immobilières liées à l'entretien, la maintenance du patrimoine, les stratégies patrimoniales ou le montage d'opérations. Nos missions se déclinent sur deux niveaux d'intervention. Un diagnostic thématique financé par la Clé Solidaire qui va permettre de disposer d'un état des lieux et de dégager un plan d'action. Et des solutions d'accompagnement à la mise en œuvre à un prix optimisé. Pour bénéficier de ces services, l'association peut faire la demande via le site internet laclésolidaire.fr. Les missions portées par la Clé Solidaire s'inscrivent pleinement dans l'intérêt général. Il s'agit d'accompagner les associations, elles-mêmes au service des plus démunis et sur l'ensemble du territoire, métropole et outre-mer. La suite, c'est la mise en œuvre opérationnelle de notre offre de services, avec le lancement imminent de deux appels d'offres à l'échelle nationale sur le traitement des punaises de lit et le traitement des autres nuisibles, le déploiement d'un outil informatique dédié à l'accompagnement social des ménages hébergés et le développement d'une offre de services d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la gestion technique courante et la rénovation du parc existant, avec en particulier la prise en compte des enjeux énergétiques et de sécurité.